Bien, 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 bien. Bonjour messieurs. Allez, on va faire notre rendez-vous annuel pour notre 3. Alors, comme d'habitude, j'ai planifié un ordre pour présenter nos shows un par un. Ouais, mon job. C'est bien. Montre-leur qui c'est le patron. Ah, et avant de commencer, Monsieur Nintendo va avoir du retard. Mais bon, vu qu'il est toujours le dernier à présenter, ce n'est pas dérangeant. C'est bien. Montre-leur que tu les respectes. Et comme ça, ce sera toi l'homme le plus respecté de cette réunion. Bien, c'est parti. Pour mon cas, j'ai toujours évidemment des exclusivités hein, sur quelques jeux AAA et sur des jeux intégrés. C'est bien. Disons, mais n'en dis pas trop, mon Geoff. Il faut en laisser aux autres. Et surtout, au Game Awards. Mais pas que des jeux. Cette fois-ci, j'ai pris des gardes du corps mieux équipés. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, passons à Electronic Arts. C'est à vous. Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Alors, mon Geoff, des jeux sport avec le chiffre 2025 et des mises à jour sur Apex Legends. Et voilà, c'est tout. Quoi? C'est tout? Bah, vous voulez quoi de plus? J'en fais toujours la même merde. Même pas un nouveau Battlefield? Vous avez vu le résultat du dernier? Laissez-nous faire les Sims 5 avant d'en faire la merde. Bon, ça va, Electronic Arts, hein, c'est pas grave, merci. Bon, eh bien, passons à Xbox, c'est à vous. Merci, Geoff. Alors, pour commencer en douceur... Ouais, calme-toi, mon petit Xbox. Du coup, je voulais dire qu'on aura des exclusivités incroyables. Ah, ça c'est intéressant. Déjà, on va reparler du jeu vidéo Fable, ce fameux jeu qu'on a laissé de côté depuis plusieurs années, qui va enfin voir sa date. Vous êtes sûr de ne pas refaire la même histoire que Cyberpunk 2077? C'est bateau de faire ça, monsieur Lafontaine. Avec nos studios de développement, on va prévoir des nouveaux jeux exclusifs et disponibles sur notre console. Mais aussi sur PC avec le Game Pass. Mais c'est pas possible! Tu peux pas te taire? C'est pas ton tour! Oh, je suis désolé, mon Xbox! Je ne te critique pas! Je fais seulement des remarques intéressantes! Mais vous faites ça tout le temps, Mr. Play! Ah non, moi j'ai changé désormais. Maintenant, mes exclusivités sortent dans quelques années chez vous. Vous voyez? On peut être dans la même boîte! Geoff! Il me vend sur des blagues en lien avec ma société! Mais faites quelque chose! Ah, salut! Nous, on avance sur le prochain Indiana Jones en attendant! Bethesda, c'est moi qui ai censé dire ce que tu présenteras. Retourne bosser sur ton jeu. Mais je voulais parler aussi d'une mise à jour de Fallout 76, puis le DLC Starfield et... Écoute-moi bien. Si tu ne veux pas finir comme Activision Blizzard, à part la moitié de tes employés, tu bosses bien. Et tu viens pas me déranger, ok? Ok. Mais je vais aller mes parties d'échecs, monsieur Xbox. Le calme avant la tempête. Ta gueule. Pop, 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 Xbox, on se calme. Et PlayStation, arrêtez de sourire bêtement, là. Allez, on va donner la parole à Devolver Digital. Qui sait, on va avoir des jeux loufoques, un show rempli d'humour satirique. Allez-y, Devolver, faites-nous rire. Ça va, Devolver? Comment je vais faire mon show? Je n'ai plus d'idées en ce moment, mais je sais comment en trouver une tout de suite, avec un jus d'orange et ce super médicament. Plus tard. Allez, Square Enix, c'est à vous. Je suis désolé. On n'a pas grand-chose à vous dire. Nous avons perdu Akira Toriyama cette année, et il allait nous donner des idées pour le prochain Chrono Trigger. Mais hélas, il est mort. Et sinon, comme autre jeu vidéo... Hé, hey, chut, c'est le moment de l'hommage. Mais vous pouvez au moins nous donner quelques autres jeux, vous avez pas que des jeux animés quand même. Oui, va demander à PlayStation pour notre jeu Splatoon, nous savons là. Sont trois kills maintenant. Oh non, je vais devoir faire un diapo sur leur jeu. Heureusement que j'ai pris l'offre du Game Pass pour avoir PowerPoint. Merci pour le pass, Xbox. Ne me parle pas, monsieur Zéro Jeu. Bon, Xbox, PlayStation, vous arrêtez de faire les enfants et dire que Nintendo n'est même pas là pour se foutre de votre gueule. C'est bien, Geoff. C'est toi le papa de cette réunion. Et tu gères bien des enfants, Geoff. Bon, Ubi, j'espère que vous avez de bonnes choses à nous dire. Yeah, obscure. We have des publicités sur nos games désormais.
Mais à quoi ça sert? En plus, we have bientôt passé notre game pirate en Charlie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vu qu'on est out de l'alpha depuis more years et qu'on est en bêta, on va put notre game in Charlie pour again corriger more bugs. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez pas juste sortir ce jeu une bonne fois pour toutes? Et puis vous avez que ça? Vous avez même pas une information sur Beyond Good and Evil 2 ou un futur Rayman? Mais depuis when on fait ça, nous? Oh, c'est pas vrai! Bon, j'espère que le suivant sera mieux. Ah, ben c'est à moi, normalement. Non, s'il te plaît. PC Gaming Show, ne dis pas de conneries, je t'en prie, ne dis pas de conneries, s'il te plaît. On va voir quelques suites de jeux indépendants et des informations sur les jeux annoncés en début d'année. Ah, j'ai eu peur d'autre chose. Mais la plus grosse exclusivité de notre show, c'est Skidibi Backroom. Même que les viewers Twitch pourront gagner un skin Among Us de Skidibi Toilette et une chance de gagner une carte graphique AMD. Mais pour ça, faut qu'ils regardent le live pendant une heure en utilisant le hashtag PC Skidibi AMD. Bordel, je le savais! C'est foutu! Oh, vous en faites pas, Geoff. Il me reste moi avant que le nain arrive. Oui, il est vrai. Restons zen. PlayStation, allez-y, faites-moi plaisir. Eh bien, pour changer par rapport aux autres... Oui, continuez. Eh bien, cette année pour moi, on ne prévoit rien du tout cette année. De quoi? Rien du tout cette année? T'inquiète, Geoff, c'est juste qu'on enchaîne des jeux à grand succès. En plus, vous avez le jeu de Kojima en préparation, donc c'est bon, vous pouvez patienter. Mais vraiment, même pas un nouveau jeu avec un gameplay, un trailer ou un titre annoncé? Vas-y, Geoff, creuse. On finira par trouver un diamant. Bah, on va être discret, mais on a le troisième The Last of Us en développement. Il y a deux Spider-Man en cours et trois God of War en écriture. Donc on a simplement besoin d'une pause pour faire les nouveaux chefs-d'œuvre qui seront nominés facilement aux Game Awards. C'est vrai que vous êtes bon à être juste nominé. Oh, merci Xbox. Mais dis-moi, tu t'es calmé? Ouais, parce que bon, soyons francs. Tu es un super agent secret. Comment ça, agent? Certes, je garde mes informations secrètes pour éviter des leaks. Il a l'air bien, toi, Spider-Man, un multijoueur. Non, mais ça, c'est annulé de toute façon, donc c'est pas si grave si c'est leak. Vous avez un peu le démon, non? On attend encore démon tout chez nous. Sa station est prête depuis plusieurs années, comme Bloodborne. Non, mais vous partez complètement à la dérive, Xbox, c'est autre chose, ça. Oh, c'est vrai, l'agent secret. Zéro jeu. Zéro récompense. 7 nominations. Hâte de voir le même score cette année, mon cher ami. Viens te battre sur Gran Turismo, bâtard. Ah, désolé, chez moi c'est Forza. Vous partez à l'eau, mon majeur 117. Aussi, vos jeux de merde, là. Vous pensez aller à l'infini avec cette bouse? Venez plutôt sur Call of Duty. Un jeu FPS sur console? C'est pathétique, quand même. Heureusement qu'on a Activision chez nous, pour jouer avec une clavier et une souris. Fermez-la! Au bout d'un moment, c'est bon. Quand c'est pas une dispute entre deux consoles qui veulent même pas se consoler, c'est soit on a peur de faire de la merde, soit on est trop malaisant pour le public, ou soit on fait de la merde alors qu'avant on savait faire des choses bien. L'homme Ray, c'est pas l'assassin Frog dans notre série? Vous me faites tous honte. Vous croyez que les gens veulent les voir, vos exclusivités de merde? C'est décidé. Le 3, c'est... Oh, bordel de merde, notre Jésus Nintendo! Ça me fait plaisir de vous voir. Même si c'est en retard, vous devez sauver notre 3. Alors s'il vous plaît, prenez le temps de nous faire rêver et sortez-nous de cette affaire. Alors dites-moi, un futur jeu Mario? Un film Zelda? Le nouveau Samus? Un DLC Mario Party? Ou un tout nouveau Super Smash Bros? Dites-le-moi! 私たちの会社では多くの冷静さと反省がありました。 我々はファンの創造性を愚弄することを決定し、 Steamのワークショップから 100万以上のアイテムを禁止した。しかし、今日のテーマに沿って、我々は正義の世界を舞台にしたカービィの新作ゲームや、我々のゲーム、動物の森をあまりコピーせずに農場での生活をシミュレートしたゲームを計画している。 Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, excusez-moi du retard, je suis le traducteur. Alors il a dit, un nouveau jeu Kirby est prévu. Et aussi un jeu de simulation de vie dans une ferme. Bande Digital, l'offre exclusive pour bander votre bâton de joie à tous nos gamers.
Et c'est comme ça que le 3 ne reviendra plus jamais. Bah pourquoi il y a encore le Summer Game Fest alors? Il doit avoir une raison, mais je suis sûr que c'est pour nous donner quand même des informations et... Ou alors c'est juste les Game Awards en été et sans les récompenses. On peut dire ça, ouais. Tu veux découvrir Pound Digital? Allez! Attendez, mais ils sont partis où? La réunion est terminée?